Bienvenue sur la chaîne de WillySM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, on va jouer les voyous, les renégats, les hors-la-loi, mesdames et messieurs. Voyez-vous, présentement, je suis dans un sentier qui n'accepte pas les motos. Tout ce qui est deux roues, on oublie ça ici. Alors que, on s'entend là, ça a l'air d'être un sentier... Tout ce qu'il y a de plus normal pour l'utilisation d'une moto, tu sais. Et c'est de ça que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Pas une session de chiolage, là, tu sais, pas un vidage de sac, mais question que vous me donniez votre opinion, vous autres, là. Comment vous voyez ça? Le fait que je ne peux pas utiliser cette trail-là, qui est... Une trail bien ordinaire, là, ça a beau dire qu'ils l'entretiennent, puis qu'il y a des bénévoles, puis ci, puis ça. Je veux dire, fuck, c'est une trail, elle a des bâtons dedans, il y a des trous, des racines, de la roche. Comment je peux la détruire plus que ça? Je veux dire, c'est déjà une trail, c'est pas une autoroute, crime. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon vieux père Dédé qui est juste là avec sa CR85 qui vient tout juste de faire rebuild. Il a besoin d'un top end. Ça faisait... Mon doux seigneur, ça a dû faire comme 200 heures sur un top end de 80. C'était malade. J'ai demandé à la communauté de Facebook qu'est-ce que vous en pensiez, les raisons pour lesquelles il y a certains clubs quad qui sont réticents ou juste complètement bornés à avoir les motos deux roues dans leur sentier. Et le consensus que j'ai vraiment là, quand je lis les réponses des gens, c'est que le personnel ainsi que les citoyens qui prêtent leur terrain pour les sentiers qui ont de vieux préjugés à l'égard des motos. Ça fait trop de bruit, c'est du monde qui n'a pas de classe. C'est-à-dire que c'est des goons, c'est des maudits crises de goons qu'on les veut pas dans nos trails. Fait que le consensus, c'est ça. Les gens me répondent que c'est à cause de ça qu'on n'a pas le droit d'aller dans certains sentiers au Québec. Mais tu sais, gars, comment qu'on roule, là, moi et mon vieux père Dédé, là. Je le sais que c'est pas une single track, cette, là. Tu sais, je le sais qu'il n'y a pas raison de faire les fous braques, cette, là. Puis d'aller faire de la vitesse qui est dessus. C'est pas fait pour ça. Mais tu sais, la manière que je l'arrête, la trail en ce moment, là, qu'est-ce qui est pire? Moi. Ou un side-by-side, large de même, large comme la trail. Il y a un autre side-by-side qui fait un petit peu le fou qu'il rencontre dans le même trail. Ça, selon moi, c'est dangereux. Mais moi, là, en ce moment, même si, je sais pas si vous trouvez que dans la norme d'une trail fédérée, si je vais trop vite, ben franchement, je pense pas que je mets personne en danger ici. Là. Je pense pas que je roule comme un goon non plus. À savoir s'il y en a des crétins dans la vie qui roulent comme des estis malades, certainement. Mais c'est la même chose en quatre roues et en side-by-side. Je pense pas que le ratio de colons est différent en side-by-side et en quatre roues versus en motocross. Les gars de motocross que j'appelle les Tijo 450. Les fameux Tijo 450, ce que c'est vraiment... C'est quelqu'un qui s'est acheté un RMZ 450 2009 qui est capable de faire un wheelé de, s'ils vont te le dire, là, de trois longueurs de poteaux d'hydro sur asphalte. Pense qu'ils sont vraiment sa grosse coche. Je peux pas leur enlever. Ils en ont certainement des skills. Là. Mais ça a pas de... Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de classe, tu sais. Fait que c'est eux autres qui font mauvaise presse avec un esti de 450 qui font une annonce comme quoi que leur pipe stock fait pas assez de bruit puis qu'ils veulent trouver quelque chose de plus bruyant. Hey guys, mon muffler stock sur mon YZ 450F, je trouve que ça fait pas assez de bruit. J'aimerais ça avoir plus de bruit. Colisse! T'as un YZ 450, tabarnak, qu'est-ce que tu penses? Ça fait prop! Prop! Déjà d'origine, come on man! Fait qu'à cause de ce genre de sans dessin-là, on n'est pas capable d'avoir accès à une trail smooth de même. Ben, franchement, c'est pas mon genre plus qu'il faut. Je capote pas là-dessus faire la trail de même, là. Mais... Il y en a certainement qui doivent aimer ça, faire ça. Puis ils peuvent pas. Je peux pas dire que c'est plate, mais moi j'aime ça blaster une single track où je sais que je rencontrerai pas personne à sens inverse.
T'sais? Mais pour ceux qui aimeraient ça pouvoir profiter de ce trail-là en deux roues, je veux dire, en quoi ça, ça devrait être interdit à ma moto en ce moment? Ok, Dédé, qui est en avant. Ouais, comment est-ce qu'il passe ça, lui, un trou de boîte? Garde-toi, mon Dédé. À la grosse puissance du XR. Donc, on entend le monde de 4 roues qui vient de passer là, là. Il nous haït pour mourir. En tout cas, je trouve que c'est quasiment aberrant de ne pas pouvoir profiter de ce trail-là à cause que je suis en deux roues. Je sais pas qu'est-ce que le monde en pense, là. Je sais même pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à perdre vraiment, les clubs quad, de pas laisser les deux roues se promener là-dedans. Je suis comme, fuck. Monétairement parlant, j'imagine que ça serait payant pour eux autres de laisser les deux roues pouvoir prendre part à leur petit club de d'utilisation de trail dans le bois, là, où les règlements devraient être un petit peu simplifiés face à la vie de tous les jours, mais bon. Non, regarde, j'ai du fun. J'ai pas besoin de blaster ça tête au fond partout. C'est un style de conduite qui est quand même assez agréable, mais je peux pas le faire légalement. J'ai pas le droit. Et moi, en plus de ça, j'ai un speedomètre, un miroir, un feu de position arrière. J'ai un modèle enduro qui peut aller dans les trails FQMHR. Et même à ça, ils veulent rien savoir de moi. Ça, c'est juste un autre débat en plus de ça, tu sais. À savoir, qu'est-ce que ça prend pour rouler dans le trail, tout. Tu sais, mon père, avec son CR85, aucune crise de chance. T'sais, tu peux l'homologuer. Tu peux y mettre une lumière, puis un miroir, des affaires-là. Je dis pas, là, ça se fait. Fait que le monde peut le faire, mais le monde sont réticents parce qu'ils se retrouvent pas sur la liste des motos acceptées. Puis je trouve qu'ils laissent ça flou à savoir si tu peux en modifier un ou pas. C'est-à-dire que ça les arrange de pas le dire bluntly. Ouais, ouais, les motocross sont acceptés, il faut que les modifications soient faites. Fait qu'il y a bien du monde qui le font pas, même en FQMHR avec une motocross, en se disant je peux pas modifier mon motocross pour être légal. Mais il y en a plein d'autres, même du monde très crédible, qui disent que tu as le droit en FQMHR de modifier un motocross full cross avec des lumières et toute la patente, puis que tu deviens légal à ce moment-là. En tout cas, trêve de bavardage, on va se promener un peu, on va avoir du fun. J'aimerais savoir vos commentaires, vos opinions, savoir c'est quoi les raisons qui poussent le monde à être aussi en tabarnouche contre les motos, de pas truster les personnes en deux roues, au point tel de leur interdire des accès à ce genre de trail-là qui est clairement fait pour ça, là. Fait qu'on veut savoir votre opinion, vos commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire, là. Puis en passant, là, c'est... Je me suis pas fait une grosse tête là-dessus dans lequel là, j'ai fait de longues études, puis... Non, c'est juste... Ça me semble logique que je devrais pouvoir venir ici avec une carte de membre. Mais ça... Ça, c'est juste moi. Fait que réfléchissez à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Et est-ce que vous trouvez que je suis un maudit voyou criminel? En tout cas, il y a de l'eau. Il est mouillé en masse dernièrement. Et pop, boum. C'est juste le fun de se promener. Tu sais? Allez, regardez ça comment c'est du peu plaisir. Bon, on met pas personne en danger, là. Un criminel. Yeah! Laissez-nous avoir du fun! Tiens-toi, mon gros calice! Ça fait toujours du bien de sortir la moto d'entre elles, d'une piste, d'une course, peu importe. Avec son vieux bonhomme en plus. Yes, sir! C'était Willy SM. Là, c'est vrai. Bye-bye!